Salut, c'est Boisdin et on va voir aujourd'hui comment dessiner François Fillon avec des fions. Alors on va commencer par un rectangle, hein. Calmez-vous, les fions vont arriver, mais ça va nous aider. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous y voyez clair, mais c'est mieux. Maintenant c'est bon, on attaque les fions. Juste en bas à gauche là et en bas à droite, vous allez faire des petits fions. Voilà, comme ça. Et ensuite vous allez remonter à peu près jusqu'au milieu, jusqu'au trait du milieu. Pour faire les oreilles, qui sont aussi d'énormes fions. Et vous allez les fermer avec d'autres fions comme ça dedans. Puis le menton, il suffit de faire un trait comme ça entre les deux, à peu près sans que ça touche là ni là. Pour le nez, on va pas le faire démarrer exactement du milieu, mais un petit peu du dessus, à peu près au niveau des oreilles. Hein. Et vous allez faire un grand trait qui se termine, bien entendu, en fion. Voilà, ça lui fait un petit nez en trompette. Et attention, pour les dessinateurs experts seulement, vous pouvez faire la deuxième narine. Réservé aux experts, attention. Au-dessus du menton, vous pouvez faire la bouche, hein, vous faites comme vous voulez, il sourit, il est pas content, il parle. Et comme il est vieux et qu'il a des rides, il faut lui faire des petits traits qui partent du nez et qui arrivent à peu près ici, sans que ça touche. Donc ça donne ceci, tout simplement, et vous faites pareil de l'autre côté. On arrive au détail qui tue, les sourcils. Alors là, c'est simple, il faut faire plein de petits fions très serrés, juste au-dessus du nez. Regardez, comme ceci, et voilà. Et n'hésitez pas à en faire des grands, il n'y a pas de limite, hein, vous pouvez vraiment... Vous lâchez sur la hauteur des sourcils, il n'y a pas de problème. Pour les yeux, alors, soit vous faites des petits fions comme ça, ou soit vous faites des traits ou des yeux normaux. Je vais faire les petits fions, on va rester dans les fions jusqu'au bout. Et comme il est vieux, il y a des rides, faites des petites rides sur les côtés comme ça et en dessous. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Maintenant, on va finir avec les cheveux. Attention, une coupe très spéciale. Il faut aussi faire un énorme fion comme ceci. Mais là, vous voyez que ça fonctionne pas très bien. Ça fait plus tête de gland, tête de fion. Bon, c'est un peu ce qu'on veut, mais ça lui ressemble pas. En fait, il faut décaler ce fion. Ça fait aussi premier de la classe, hein, Jean-Eudes, votre copain premier de la classe. Donc ça va pas. Il faut le décaler à droite et faire en sorte que la raie du fion arrive ici. Donc ça fait à peu près ceci. Voilà, là c'est très bien. Sauf qu'on va l'allonger pour pouvoir fermer. Maintenant, du coup, vous fermez, voilà. Comme ceci. Il n'y a pas vraiment de règle non plus, vous pouvez rajouter un peu plus de cheveux là. Et vous faites des traits pour remplir, hein. Faut que c'est l'air de cheveux. Remplissez pas complètement en noir. Voilà, et là pareil, vous fermez avec des petits traits. Voilà, n'hésitez pas à rajouter des petits traits ici aussi, pour que ça fasse mieux, hein, parce qu'il y a toujours un petit peu de cheveux qui descendent comme ça. Et là, votre François Fillon est fini, hein. On va enlever le rectangle derrière, vous pouvez lui rajouter un coup, une belle petite cravate. Sa cravate préférée, un costard, et puis des mains et des bulles. Enfin voilà, vous pouvez faire votre dessin de François Fillon et lui faire dire ce que vous voulez. N'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait. Salut mes petits fions, voilà. Moi je trouve que c'est comme ça qu'il aurait dû appeler ses électeurs, hein, les petits fions, ou les grands fions. Les fions français, j'en sais rien. Bref, maintenant, vous aussi, vous savez dessiner François Fillon. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Salut !